Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova lezione di italiano. Oggi vediamo insieme i connettori logici o connettivi logici di opposizione. Les connecteurs logiques en italien d'opposition. Cominciamo. Tuttavia. Ça correspond au français toutefois, cependant, néanmoins. Per esempio, ha studiato molto, tuttavia non ha superato l'esame. Il a beaucoup étudié, néanmoins il n'a pas réussi son examen. Tuttavia. Eppure, ça correspond au français pourtant. Questo formaggio non ha un bell'aspetto. Eppure è delizioso. Ce fromage a l'air mauvais, pourtant il est délicieux. Dans ces cas-là, on pouvait utiliser aussi tuttavia. Questo formaggio non ha un bel aspetto, tuttavia è delizioso. Ils sont des synonymes. On continue. Però, ma, correspond au français mais. Sono stanco, ma verrò comunque da te questa sera. Je suis fatigué, mais je viendrai quand même chez toi ce soir. Sono stanco, però verrò comunque da te questa sera. Ce sont des synonymes. Invece di, ça correspond au français au lieu de, par exemple, spiegami cosa succede invece di ridere. Explique-moi ce qui se passe au lieu de rire. Et la variante, on utilise invece, ce qui correspond au français tandis que. Par exemple, tu sei in vacanza, invece noi lavoriamo. Toi, tu es en vacances, tandis que nous, on travaille. Malgrado, utilisé avec un nom, malgré, aussi en français. Malgrado i suoi sforzi, non ci è riuscito. Malgré ses efforts, il n'a pas pu réussir. Anche se, plus indicatif, même si, anche se sei stanco, devi finire questo lavoro. Même si tu es fatigué, tu dois finir ce travail. On continue. Nonostante. Plus subjonctif, en fait, correspond au français bien que. Nonostante i giovani siano preoccupati per il loro futuro, rimangono ottimisti. Bien que les jeunes soient inquiets pour leur avenir, ils restent positifs. Donc, il faut se souvenir qu'avec nonostante, il faut utiliser les verbes au subjonctif. Et comunque, ça correspond au français quand même. Non volevo vederlo, ma l'ho comunque invitato alla festa. Je ne voulais pas le voir, mais je l'ai quand même invité à la fête. Et pour terminer, per quanto. Plus subjonctif, ça correspond au français avoir beau. Per quanto Lucia studi, non supera mai gli esami. Lucie a beau étudier et ne réussit jamais ses examens. Et voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. On se voit la prochaine semaine avec une autre vidéo. Ciao à tutti et grazie!